Produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Il faudrait qu'ici aussi, nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles, sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là, ne se trouve pas par hasard dans la classe. Dans tel ou tel pays d'Afrique, pour soit maintenir
un chef, un dirigeant, un hôtelier, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire de la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les retrouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce fonds uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.